Yumzen, l'inusable guerrier des pistes, attaque sa troisième saison de monte en 2013 au Haras du Kenai. Déjà vainqueur au mois d'août de ses 2 ans, Yumzen est resté au sommet jusqu'à 7 ans, sans jamais subir le moindre souci de santé. Il est parvenu à accumuler une fortune de 4,3 millions d'euros grâce à ses efforts répétés dans 23 courses de groupe 1 disputées consécutivement pour 2 victoires et 18 places. Parmi ses nombreux faits d'armes, il faut bien sûr relever sa victoire dans le Grand Prix de Saint-Cloud 2008, où il dominait 2 autres combattants célèbres, Soldier of Fortune et Dr Dino. Yumzen qui va résister au retour de Soldier of Fortune. Mais également, Yumzen a établi un record dans le prix de l'Arc de Triomphe, dont il a été le dauphin 3 fois de suite, de 2007 à 2009, devancé seulement par Dylan Thomas, puis par 2 ovnis, Zarkava et Sizostar. Yumzen, fils de Sindar, qui a lui-même réussi le doublé d'Herbie d'Epsom Arc de Triomphe à 3 ans, tient cette robustesse de sa souche maternelle, issue du solide élevage de Lord Weinstock. Frère du gagnant de groupe 1 sur 1600 mètres Craig Radwar, c'est le cousin de la championne nippone Fine Motion, et surtout du fameux voyageur Pilsudski, quintuple gagnant de groupe 1 dans 4 pays, dont la Japan Cup à Tokyo. Très populaire dès son entrée au Haras en France, Yumzen a saillie 200 juments ses 2 premières années, avec la même efficacité qu'on lui connaissait en course, c'est-à-dire une fertilité qui a atteint 92% de juments pleins. Yumzen fait la monte au Haras du Kenai, tout près de Deauville, dans le Calvados.